La puce téléphonique de tous les opérateurs, Moritel, filiale de Maroc Telecom, Matel, une société à capitaux mauritano-tunisien, et Chinguitel, filiale de Soudatel, enregistre une montée vertigineuse du prix, passant de 100 ougia à 600 et parfois 700 ougia. Cette situation est provoquée par le retrait des machines avec lesquelles les vendeurs, en majorité des femmes, enregistraient l'identité des clients. Un contexte nouveau à l'origine d'une chute vertigineuse des revenus. Explication des acteurs. Ça fait 5 ans que mais ça fait 3 mois que 200 et quelques personnes Nos activités sont à l'arrêt depuis près de 3 mois. Avant, je réalisais des recettes journalières allant de 1000 à 1500 ougia grâce aux appareils d'enregistrement fournis par les opérateurs de téléphonie. Actuellement, je ne trouve plus 20 ougia, c'est-à-dire l'équivalent du billet de taxi pour rentrer à la maison. Je trouve normal le retrait des appareils d'enregistrement par les opérateurs pour des soucis liés à la sécurité depuis l'évasion de prison d'individus condamnés pour terrorisme il y a quelques mois. نحن شمن عليه ثمان يشتغلوا فينا اللي عنده تركة وفينا اللي ضعيف وفينا اللي فاصل قاع براسه هو يسوقع وفينا المطلقات مولوا هاي الشغله نحن ردتنا عن الحرام ردتنا عن الطلب ردتنا عن ياسر مش نختار يردون الاجهزه اللي كنا نشتغلوا عليها انت ونشتغلوا عليها والله مولي يوفروا لنا مولي عمل مو اللي عادوا يبدا يقنعوا من الاجهزه كنا نشتغلوا عليها Nous sommes plus de 300 en majorité des femmes et des filles dont l'activité est impactée par les mesures de retrait des appareils d'enregistrement de la part des compagnies de téléphonie mobile. L'anéantissement des recettes est à l'origine de la désaffection des vendeurs qui ne viennent plus en masse ici.